Bon dimanche à toi. J'espère que tu as passé une belle semaine. J'espère que tu vas bien. J'espère que ce que je vais te dire aujourd'hui va te faire du bien. J'ai beaucoup prié les 3 dernières semaines pour que le Seigneur m'aide à guérir un certain perte d'œil et souvent, on prie, mais on ne se rend pas compte à quel point ça peut impacter notre vie, notre vision des choses. C'était une simple prière. Je me rends compte que j'ai un problème que je veux régler dans mes émotions, dans mes souvenirs. Et je dis seulement, Seigneur, aide-moi à régler ce problème-là. Et s'arrête là. Je finis de prier. Je dis merci Seigneur, tout ça. Et la semaine d'après, j'ai été époustouflée, sans souffle, de voir à quel point le Seigneur me ramenait à l'ordre et m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Et je dirais que ça m'a aidé à me rendre compte de certains mécanismes de défense que je mets en place et que j'ai répété à vraiment beaucoup de reprises dans ma vie. Et j'ai réussi à voir où ça avait commencé, à quel moment ça avait commencé, c'est cette façon de se protéger là. Mais qui, en tant que femme mature chrétienne, me nuit plus qu'autre chose, nuit à mes relations interpersonnelles, nuit à... Oui, me nuit, même si c'est pour me défendre, et que avec les années, je le faisais même rendu inconsciemment, ça m'a nuit. Et vraiment, le Seigneur est merveilleux parce que quand on lui demande des choses comme ça, de nous aider, de nous fortifier, de nous emmener plus loin dans enlever notre poutre de nos yeux, hein? Il dit, c'est facile de vouloir dire à ton prochain d'enlever sa paille, mais ta poutre à toi, il faut que tu l'enlèves d'abord pour être capable d'aider ton prochain. Alors, les mécanismes de défense, en fait, on se défend, hein? C'est une bonne chose, mais il faut comprendre le processus, il faut se comprendre soi-même, comprendre les raisons pour lesquelles c'est venu et être capable maintenant de s'adapter par rapport à la parole de Dieu, par rapport à sa volonté, par rapport à sa force aussi, parce que quand on devient de plus en plus mature dans le Seigneur, on n'a plus besoin de se protéger. Le Seigneur le fait à travers nos prières, à travers notre foi, à travers quand on met l'armure de Dieu, la complète armure de Dieu, qu'on n'en manque pas, hein, le casque du salut, la ceinture, les chaussures, le bouclier, l'épée, et quand on a la complète armure de Dieu, on n'a plus besoin de nos petits mécanismes de défense qu'on a pris dans l'enfance. On n'a plus besoin de... Oui, on n'en a plus besoin. On prend ce que Dieu nous donne, et ce que Dieu nous donne est 100 000 fois plus efficace que tout ce qu'on a pu par le passé expérimenter. Et sur ce, vraiment que le Seigneur vous donne la victoire cette semaine sur regardez à l'intérieur de vous, regardez vos mécanismes de défense, regardez, comprenez à quel point Dieu vous aime et pourvoit à tous vos besoins,
à tous vos besoins. Des fois, il faut seulement ouvrir les yeux par la foi, voir ce que Dieu a mis devant toi.